Ok les gars, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. Nous sommes les amis dans le top 15. C'est écrit ici, en gros les gars, El Pafoso est dans le top 15. El Pafoso devient un combattant incroyable sur UFC. Vous kiffez toutes les vidéos UFC et je vous remercie énormément pour ça les gars. Likez, commentez, bombardez tout ça les gars. Vraiment, cœur sur vous, ça me soutient énormément. On a gagné le dernier combat. C'était ultra tendu. Je sais pas comment on a fait pour le gagner. On a eu un an de convalescence. Un an sans combat les gars. On a quoi comme offre de combat? Antonin Thomas, un français. Écoutez, là, on a le boss de l'UFC, les gars. Là, il nous a offert un mec à abattre. On va accepter le combat. Là, il nous a envoyé de la chair à canon, là, Dana White. Et on va se remettre comme il faut, les gars, tranquillement. Voilà les gars. Allez les mecs, let's go. Un combattant 100% français. Super, il check pas. Voilà le début de ce premier round. Et on voit bien que son allonge constitue un gros avantage. Oui, il a aussi l'avantage de taille. De quoi repousser les assauts. Je vais allumer, hein. Avec son jab. Allez, viens là. Allez, viens là. On s'est entraîné au sol un peu là. Ok, je pense qu'il est bien meilleur que nous. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui est moins fort que nous, je pense. Hein. Ok, on s'est entraîné aux esquives. Voilà, on s'est entraîné aux esquives. Allez, attaque-moi. Mais attends, j'ai pas esquivé. Putain, mon cardio, frère, il prend cher. Hein. Il a l'air d'être résistant. Hein. Il est à nouveau visé. Je ne sais pas s'il y croit encore. Il a commencé à perdre espoir. Il combat en mode désespéré. Allez, on l'allume. Ça le contrôle. Allez, on a appris les gars, on a fait des cours. Allez, on a fait des cours. Ça le contrôle encore. On a le cardio. On tempo. Un petit coup. Un genou sous le ventre. Allez, on l'allume, frère. C'est nous le patron. Full mount. Allez, c'est nous le patron. On enchaîne. Ça le contrôle. Allez, Parfus, allume-le là. Le combat est dure beaucoup trop longtemps. Ouais, frère, il défend même plus. Il se prend des coups de partout. Attention au cardio quand même. On va se relever. Voilà, super. Ok, bon je gagne le premier round, mais... Bah j'avais dit KO au premier round. Je suis un peu plus mou que j'aurais pensé. Je suis un petit peu mou, hein. Ça se voit que ça fait un an que j'ai pas combattu. Hein. Ok. Je suis vraiment ultra agressif. Hein. C'est dur les gars. Hein. Très mou comme combat pour l'instant. Il défend très très bien. Allez, on essaie de le finir là. Allez, faut le finir un peu là. Hein. Ok, il est pas bien. Il est pas bien les gars, on l'allume, allez. Il va stopper le combat là, allez, appelez le médecin. Voilà les gars. C'était un combat très très long les gars, beaucoup trop long qu'il fallait. Mais je suis content, je vous ai montré que je me suis amélioré au sol. Quoi? Il va falloir qu'on aille voir les offres de combat. Paf, pas trop de talent, merci Dana. Ok, on a quoi comme combat les gars? Putain, Romanov, il veut vraiment nous affronter le bougre. UFC 319, on va le refuser à nouveau, je me sens pas prêt les gars. Je suis désolé, je me sens pas prêt. Vous avez vu comment j'ai galéré contre un no-name? Mais tu l'as vu frère, je sais pas c'est qui, je le connais app, mais rien que je l'ai vu, il fait peur gros. C'est Caris. Je vais te boire ton sang.
Je vais accepter, mais j'ai trop peur. J'ai peur, les gars. Là, j'ai peur. Là, je vous mens pas, je vous chie dessus. Désolé, Sergueï, c'est pas encore le bon moment. On en reparle bientôt. Voilà. Je lui dis juste, c'est pas le bon moment. T'es pas sa gueule. Il a la tête d'un mec qui veut me fumer en soumission. Vous le savez, je suis guest pour l'instant, les gars. Je suis pas prêt. Est-ce que je peux inviter des boucs pour m'entraîner avec eux? Thomas Spinal, il pourrait m'entraîner un peu. Un Spinal qui accepte de s'entraîner avec nous. Moi, je l'ai payé quand même 36 000 $ juste pour qu'il vienne. Si je le blesse, il va m'en vouloir. Hein. Premier degré, si on les blesse, après, ils veulent plus s'entraîner avec nous. Ok, c'est celui-là. Let's go. Il est lourd comme... Aïe. Ok. Un Spinal, il va m'en vouloir, les gars. Putain, il est lourd, ce coup, là. Il est trop lourd, ce coup, les gars. Tellement la pression, les mecs, je vous mens pas. J'ai tellement la pression pour ce combat-là. Ok. Attribut. Grappling, ok, il est pas ouf au sol, comme moi. Par contre, sa santé est pas dingue. Sa santé est pas dingue. Ça veut dire que si je défends bien, je peux l'allumer sa mère. Hey. Ça va être dur d'obtenir ce bonus de performance. Ces deux-là, une vraie masterclass. Ah ouais, c'était dingue. Mais il y a eu 3 rounds. C'est toi le combat principal. Tu as 5 rounds pour faire le spectacle. À moins de piller ça plus tôt. Je suis prêt à tout. Prépare-toi au pire, attends-toi au meilleur, pas vrai? Complètement. Ok, on y va! C'est parti! On y va! Allez! Let's go, baby! Il y a plus de cinématiques sur UFC que sur 2K! C'est une dinguerie! Now in the presence of a king. Let's go, les mecs. Est-ce qu'il va me checker, lui, ou il va faire le bâtard? Il check pas, ce bâtard, il check pas! Il check pas! Aïe! On dit... Aïe. Agressif, hein. La gauche qui touche et qui compte. Mais il l'avait bien amené. Voilà un combat qui ne va pas être facile. La spéciale! Oh, le bâtard! La spéciale! Oui, le coup de pied intérieur qui vient s'écraser sur la cuisse. Wesh. Ça touche, direct du droit. Calme-toi, Caris, arrête. Il a enclenché la machine à frappe d'entrée de jeu. Et non, ça ne passe pas. Heureusement, je touche. Hein. Ouh, aïe, 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 aïe. Eh, le combo là, le petit ça là, qui nous a appris la spinale, c'est une dinguerie. Hein. Putain, j'ai essayé de lui faire le combo, j'ai pas réussi. La frappe est parfaitement bloquée. C'est ouvert, une vilaine coupure à la lèvre. Magnifique high kick. Une fois encore. Pour l'instant, on est pas mal, on a subi, mais on est pas mal. Qui va bien? Eh oui, quand les points vont bien, tout va bien. Percute. Il était bien sur ses appuis, son bras a fait le reste. Il a fatigué un peu là. Ah, je gagne le round, on est d'accord. Hein. 1-0 pour moi, je pense. Sa lèvre saigne énormément, cette femme. C'est chaud, hein. 1-0 pour moi, je pense, en vrai. Hein. Il a été extrêmement agressif au début, mais il n'a pas touché plus que ça. Moi, là, je l'ai soulevé sur la fin du round, là. 5 rounds, j'ai relendu. Il tiendra pas 5 rounds, lui. Et le coup de pied ne passe pas. Voilà. On lui a fait mal. Vous avez entendu le craquage, là? Joli crochet à la tête. Il est sur un nuage. On sent que ce knockdown au round précédent l'a motivé. Ah, ça pour le moral, c'est parfait. Il est en pleine confiance. Impressionnante désormais. Et puis en plus, je sens que ça peut pas pencher la balle.
clairement. Mais est-ce que quelqu'un... On est en train de l'allumer sa mère. Allez, viens là. Viens là, mon ref. Je vais te fumer maintenant. J'ai appris. Je me suis amélioré. Allez, aïe. Allez, aïe. Lâche ma tête, lâche ma grosse tête. Lâche ma grosse tête, je te dis. Arrête. Prends. Ich. 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 On va se lever là, j'ai plus de cardio. Il se lève, patate. Aïe. Oui, non, c'est moi qui devais le faire à la base. Blocage en puissance. Aïe. Un direct qui touche. Aïe, 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 on est en train d'allumer là. Stoppez le combat! Appelez le médecin! C'est insoutenable. Après, il me fait mal là quand même. Hein. Je me demande surtout comment c'est possible qu'il puisse encore respirer. C'est de pire en pire. Un coup de pied qui claque. J'essaie de gérer un peu. Le bloc en puissance. Regardez son cardio à la vitesse qui descend. Le direct du droit, accessible. Je suis en train de gérer mon... Let's go baby. J'avais dit le chaos. J'avais dit le chaos. Et toi t'as dit quoi, Karis? Je dis... Moi j'ai dit ciao. Allez, c'est ciao. Je l'ai allumé sa mère. Ultra satisfaisant comme combat parce que j'ai fait plein de trucs différents. Et putain, je vous l'ai déjà dit, mais je sens que je progresse combat après combat. Et c'est bien. Ça fait du bien de se sentir progresser comme ça. J'ai plein de fous, etc. Quel bonheur. Buffer qui va donner la décision. C'est le premier main event qu'on gagne, les gars. Premier main event qu'on gagne. Ça, c'est une dinguerie. Et franchement, on l'a gagné bien comme il faut. Hein. Il a été ultra agressif au début, mais derrière, on l'a allumé. On l'a allumé, les gars. On va voir c'est qui le prochain combat, là. Je vais voir, je vais vous montrer après, les gars. Là, je sens que je vais avoir une putain d'offre. Là, je rentre dans le top 10, je vais avoir une offre de fou, là. Ok. Ok. Rendez-vous la semaine prochaine.